nouvelle vidéo qui va être une wishlist de Noël. Enfin, en fait, tout ce que, enfin, toutes les choses que je vais vous présenter là, c'est pas tout ce que je demande pour Noël, mais c'est des choses que j'aimerais avoir plus tard. J'ai demandé principalement une chose à mes parents et je sais que cette chose n'est pas forcément donnée. Donc je vais pas demander des choses encore en plus. Voilà, on approche bientôt de Noël, du coup ça vous donnera peut-être des idées. Enfin, par exemple, si vous savez pas quoi demander au Père Noël, bah vous aurez peut-être des idées. Et aussi si vous savez pas quoi acheter à vos proches, ça vous donnera peut-être encore des idées d'achat. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et puis je vous laisse suite avec la suite. C'est parti. Donc pour Noël, j'ai demandé à mes parents si je pouvais avoir un synthé parce que j'aime trop faire du piano, c'est trop cool. En fait, depuis cette année, enfin depuis octobre, septembre, j'ai trop envie d'en avoir un parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai deux amis à moi qui vont souvent à la salle de musique au lycée et j'y vais avec eux des fois. Et j'ai un pote qui m'a appris à faire des débuts de musique et je kiffe trop le piano. Du coup voilà, j'aimerais trop avoir un synthé, donc mes parents ils sont pas contre pour l'instant, donc peut-être que j'en aurai un pour Noël. Je suis vraiment trop impatiente, j'ai trop envie. Après je prendrai pas des cours à côté ou quoi, enfin j'essaierai d'apprendre toute seule avec sur YouTube. Parce que j'ai vu qu'il y avait des vidéos pas mal qui expliquaient et puis mon pote aussi il apprend grâce à YouTube, donc c'est pas impossible. Donc voilà, j'aimerais trop avoir un synthé. Et maintenant je vais passer aux achats que j'aime, enfin aux cadeaux que j'aimerais avoir plus tard. J'aimerais trop avoir une doudoune Fila, donc elle est orange, je l'ai vue sur le compte Instagram de Paola, donc c'est une youtubeuse, je pense que vous la connaissez, je sais pas. Enfin, elle est trop belle, elle est toute... De toute façon, je vous mettrai des photos juste ici. Mais elle est trop belle, mais oh my god, elle est assez grosse et oh là là, enfin, je la kiffe vraiment. Donc voilà, j'aimerais trop l'avoir. Donc pas forcément à Noël, mais plus tard. Parce que vraiment, elle est trop belle. Ensuite, j'aime beaucoup les hauts. En fait, j'en ai pas forcément un dans ma tête. Mais c'est les hauts avec une fermeture. Enfin, c'est une fermeture avec un rond, enfin je sais pas comment vous les expliquer, de toute façon je vous mettrai une photo juste ici. Je trouve ça trop beau, genre le petit détail comme ça, c'est trop beau, un haut tout simple comme ça. Ça fait grave beau je trouve. Aussi j'aimerais trop avoir un... En fait c'est un haut Fila à manches longues. Je l'ai vu sur une vidéo de la chaîne Sky Intis, mais en fait il est plus disponible sur le site qu'elles ont dit. Du coup je suis un peu dégoûtée, mais peut-être que plus tard il y sera. J'aimerais aussi avoir un autre bracelet pour ma montre Daniel Winton, parce qu'en fait si vous voulez... Ça fait 3 ans que je l'ai et du coup ça commence à s'abîmer un peu, c'est normal. Mais je trouve que ça fait vintage et tout, ça fait ancien, je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un noir parce que ça passe avec tout. Aussi un parfum, je l'ai déjà eu il y a 2 ans je crois. On me l'avait offert. Et c'est la Nuit Trésor de chez Lancôme, il sent trop bon, c'est vraiment une tuerie. Ma mère d'ailleurs elle l'a acheté quand je l'ai eu, en fait elle aimait trop l'odeur, du coup elle l'a acheté, du coup elle en a encore, du coup je lui pique un peu. Mais il sent trop bon, franchement ce parfum. Mais oh my god, il sent trop bon. Donc franchement s'il me faudrait un parfum, je pense que je demanderais celui-ci parce que il sent trop bon. J'aimerais trop aussi avoir, donc ça c'est pas pour Noël ni rien, mais enfin c'est avant Noël en fait, vu que c'est le calendrier de l'Avent NYX. En fait c'est un calendrier où il y a plein de petits rouges à lèvres, donc ils sont comme ça je crois. Et oh là là, c'est trop bien, je trouve ça trop bien. En plus on aura plein de rouges à lèvres. Ils sont trop beaux les rouges à lèvres en plus, donc de chez NYX. Donc voilà, après ça coûte 50 € je crois, donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais après si on multiplie pas, enfin genre 24 rouges à lèvres comme ça, peut-être que ça sera rentable. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Ensuite j'aime trop un short en velours rose de chez Bershka. Donc en fait ma soeur en a un, donc c'est le même, c'est exactement le même que j'aimerais avoir. Il est comme ceci, il est trop beau je trouve. Ensuite il y a une palette chez Sephora, donc c'est celle-ci, je sais plus le nom là actuellement, mais je vous la mettrai de toute façon ici. Ma cousine elle l'a eu pour son anniversaire et je la trouve trop belle, genre les couleurs grave nude et tout, franchement elle est trop belle. Ça, ce cadeau là que je vais dire tout de suite à là, c'est pas ce que je demande pour Noël, parce que voilà, je veux déjà mon synthé, mais je vais essayer d'économiser avec l'argent de mon anniversaire et de Noël si j'en ai, je sais pas si je vais en avoir, mais en tout cas si j'en ai, je vais essayer d'économiser pour acheter mon iMac. J'aimerais trop en avoir un, hein, c'est trop cool, enfin je trouve ça trop bien. En plus il y a Final Cut Pro et tout pour les montages, c'est ouf.
Et après, pour les cours et tout, c'est hyper cool. Pour taper sur l'ordi, etc., c'est beaucoup plus simple. Après, j'ai aussi mon ordi là, donc ça va. Mais voilà, j'aimerais trop avoir l'iMac, mais c'est vrai que c'est pas donné. Donc il faudrait que j'économise. Donc je sais pas pendant combien de temps je devrais économiser. Mais ça se trouve, si j'ai plus de la moitié, peut-être que mes parents voudront bien rajouter un peu pour m'aider. Mais voilà, j'aimerais trop m'acheter un iMac parce que c'est trop trop cool. Et voilà. Et pour finir, donc ça je trouve ça trop beau. En fait, c'est les Justaucorps Adidas. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Les Justaucorps Adidas de gym, c'est trop trop beau. Je trouve ça trop trop beau vraiment. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas acheté de Justaucorps ou quoi. Parce que maintenant on est que en. Enfin, on a le Justaucorps du club pour les compètes. Enfin, bref. Mais pour les entraînements et tout, j'aimerais trop avoir un Justaucorps Adidas, c'est trop trop beau. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Encore une fois, c'est pas tout ce que je demande. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Bisous!